Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de Paloukounaba Kisgreli Namovibla Nklume. Nous sommes ici dans le sanctuaire du feu, où l'on manipule le feu, où l'on fait l'épreuve du feu. Ce soir, la parole sera le feu qui va soigner les cœurs. Ensemble, nous allons partager la parole thérapeutique. Donc applaudissez pour tous les conteurs nationaux et tous les conteurs internationaux qui seront là ce soir pour partager cette parole. Cette parole qui nous vient directement de l'atelier de l'Inamovible Enclume. Nous avons déposé nos valises à Conakry. À Conakry, où nous avons fait appel au fils de Fakoli. Fakoli Doumbia, Moussa Doumbia, Kaito Voum. Lui, il dit Massaplou et toute la foule doit répondre Ao. Donc Massaplou, Ao, c'est vous du côté de Conakry, l'organisateur de la Grande Nuit du Conte de Conakry. Kaito Voum. Je me confie parce qu'un jour, on m'a raconté une histoire. L'histoire d'un petit pigeon. Un matin, le petit pigeon est venu très essoufflé trouver un grand éléphant. Oh. Et le petit pigeon dit... Grand frère éléphant, je suis venu me confier à toi pour l'amour de Dieu et l'amour des ancêtres. Veille sur moi, veille à ce que rien ne m'arrive. Et le grand éléphant dit, oh petit pigeon, j'accepte de veiller sur toi au nom de Dieu et des ancêtres. Le petit pigeon prend son envol et va s'asseoir sur la cime d'un grand arbre. Le lendemain matin, le petit pigeon, après ses petites mélodies annonciatrices d'un nouveau jour qui se lève, prend son envol encore et vient trouver l'éléphant. Grand frère éléphant, bonjour. Je viens me confier à toi pour l'amour de Dieu et des ancêtres. Et l'éléphant, qui n'avait pas beaucoup apprécié d'être réveillé dans sa grasse matinée, répondit quand même. Oh, petit pigeon. Tu es venu me voir hier. J'ai dit que j'acceptais de veiller sur toi. J'accepte aujourd'hui encore de veiller sur toi au nom de Dieu et des ancêtres. Le petit pigeon reste quelques secondes et demande encore, grand frère éléphant, tu n'as rien à me dire? Rien. Alors il prend son envol. Il va se poser sur la cime de l'arbre. Ce jour-là, le petit pigeon n'a pas fermé les yeux. À peine les rayons soleil avaient percé les feuillages pour éclairer la brousse, qu'il prit son envol encore. Il vient trouver l'éléphant. Grand frère éléphant, bonjour. Je viens me confier à toi pour l'amour de Dieu et des ancêtres. Oh. Il n'avait pas apprécié d'être réveillé comme ça très tôt. Oh, tu m'embêtes là. Je t'ai dit hier, avant-hier, que j'acceptais de veiller sur toi au nom de Dieu et des ancêtres. Que veux-tu enfin? Et le petit pigeon, tout tremblotant, prit son envol avec un décollage forcé et alla se poser sur la cime de l'arbre. Le temps passe. Les saisons changent. Alors, un soir de saison sèche, un chasseur, fusil sur l'épaule, prit les sentiers de la brousse. Il a marché, 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 marché et il est arrivé à un endroit où il aperçut un grand animal. Il s'est mis à genoux. Il a visé l'animal, l'éléphant. Il voyait l'éléphant, mais l'éléphant, lui, ne le voyait pas. Et le petit pigeon de la cime de l'arbre les voyait tous les deux. Et le chasseur visa. Et d'un geste, il tira sur l'éléphant. Et l'éléphant ensanglanté commença à courir, à courir, à courir, à courir. Et le chasseur le poursuivant. Arrivé à un endroit, le chasseur prit peur et se retourna au village. Il est allé informer ses collègues qu'il venait de tirer sur un grand animal qui est en train de saigner en ce moment. Ensemble, ils pourraient ramener cette bonne viande au village. Et notre grand éléphant, ensanglanté, le souffle saccadé, alla se cacher dans une grotte. Et le petit pigeon prit son envol encore. Et il alla se poser devant l'éléphant. Il l'appela trois fois. Grand frère éléphant, grand frère éléphant, grand frère éléphant. Ah, moi j'étais venu me confier à toi, espérant que toi aussi tu te confierais à moi, malgré ma petitesse.
Parce que les anciens disent que chaque main trouve un trou à sa taille. De la cime de l'arbre, j'ai vu le chasseur, fusil sur l'épaule, viser. Tu ne le voyais pas, moi je le voyais. J'ai prié quand même que la balle n'atteigne pas une partie mortelle de ton corps, pour que cela te serve de leçon. Alors le grand éléphant, tout confus et honteux, se confia aussi au petit oiseau. Tout ça pour vous dire, cher tout le monde, que quand quelqu'un vient se confier à vous, quel que soit son rang social, son statut social, sa taille, ses conditions, il faut aussi se confier à lui. Parce que chacun peut un peu. Alors, cher public de ce soir, je viens me confier à vous. Que la bénédiction des ancêtres soit sur nous. Amen. Kaito! Kaito! Alors, on va quand même terminer en ambiançant, non? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez, aïe, 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 on va chanter ensemble, d'accord? Merci.